championnat est dédié à Sa Majesté, Madame Dodoré Bouba, de manière naturelle. En tant que père spirituel de la communauté et dans le cadre de l'épanouissement de la jeunesse et de la mobilisation de cette jeunesse pendant les vacances pour éviter des activités qui puissent générer des conflits et ramener le vivre ensemble parmi cette jeunesse en vacances. Par la même occasion, il est question d'identifier des talents. Comme vous savez, le football, maintenant, est un sport de loisirs d'abord, mais c'est aussi un sport qui tend vers l'économie, vers une activité lucrative. Et ça l'est même d'ailleurs, puisque on voit des talents, en l'occurrence le président de la FECAFOOT, un grand footballeur qui ne demande rien à personne maintenant et qui conduit dans de bonnes conditions par rapport à ce qu'on sait qui s'est passé dans la Fédération Camerounaise du football. Donc, c'est ça la motivation. Et c'est même si vous regardez sur le plan global, c'est pratiquement dans toutes les localités que l'événement est organisé et a pris de l'ampleur qui mobilise tout le monde, y compris les hautes sommités de l'État. Le bilan est largement positif, à mes yeux. Maintenant, quitte aux acteurs de le faire également, mais d'après les informations et les retombées, le bilan est largement positif, puisqu'il en est sorti une reconnaissance générale, et les acteurs ont bénéficié de tout ce qui accompagne les opérations, en l'occurrence les primes, les prix, les trophées, puisque par le passé, cela ne se faisait pas. Mais cette fois-là, on a mis les petits plats dans les grands pour qu'on en arrive là. Et la satisfaction est évidente et réelle. Depuis toujours, nous avons fait de nos mieux pour qu'on mette à la disposition de la jeunesse des infrastructures qui leur permettent de s'épanouir. Actuellement, nous sommes en train de construire des centres multiculturels qui vont nous coûter un peu de l'argent, mais qui vont permettre aux jeunes, dans tous les sens, culturels, de s'épanouir, sportifs, de s'épanouir, parce qu'on a mis en place un complexe sportif qui est là et qui est en train d'évoluer. Et à terme, nous prévoyons de construire des centres qui reçoivent les jeunes pour leur permettre de se formés dans le cadre des différents sports, afin de recueillir des talents qu'on pourrait, pourquoi ne pas, mettre à la disposition des professionnels. Que cette jeunesse s'investisse, que cette jeunesse prenne conscience de son devenir. L'élément fondamental qui puisse motiver cette jeunesse à l'image de Sa Majesté, il n'est non pas, il est parmi les jeunes, mais qui, à ce stade déjà, a, je veux dire, un parcours élogieux, et qui a un confort sur le plan social, sur le plan national, admirable. Et on souhaite que la jeunesse du Mayoré fasse de même, parce que l'avenir dépend d'elle.